Donc, messieurs, on va bientôt partir à la bataille. Ça risque d'être très 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 compliqué, on va pas se le cacher. Les forces américaines, suite à leur défaite de la semaine passée, ont appelé des renforts. Ils vont essayer de reprendre du terrain. L'objectif aujourd'hui, on va essayer d'avancer lentement et sûrement sur Bizori Foy Road. Donc malheureusement, on n'a reçu que des dotations de map pour McFly et moi-même, et éventuellement les officiers qui vont prendre notre relève si jamais on vient décéder. Donc on n'aura pas suffisamment de cartes pour l'ensemble des hommes, donc essayez de pas vous perdre s'il vous plaît messieurs. Malheureusement aujourd'hui, je pense que vous l'avez remarqué, suite au gel de la nuit passée, on n'a pas de radio longue portée, donc on va essayer de communiquer en local exclusivement. Notre radio longue portée ne fonctionne plus. On ne pourra pas communiquer entre escouades, donc essayez de ne pas vous perdre surtout. Bien. Donc de notre côté messieurs, on va se caler, on va se positionner le long de la route qui nous attend pour pouvoir faire une avancée. Donc on avance en ligne, on observe et on fait attention messieurs. À vos rangs. Yo les marsouins, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hell Let Loose, une vidéo tournée lors d'un event RP organisé par la team 716 ID pour Infanterie Division. Dans cet event, chaque joueur ne dispose que d'une seule vie. Vous avez entendu le briefing, il faudra faire très attention, bien communiquer, rester groupé avec son escouade et surtout, rester en vie. Bon visionnage. D'ailleurs, faudra pas oublier d'enlever de la mine. Faire gaffe, ça coule pas, hein. Lève-toi, tu vas te faire mal au dos à marcher accroupi. Oui, mais t'es dans la mine en plus char. Ah ouais, merci, j'avais pas pensé. En plus, avec ton pactage là. Saucisson. Ouais, hey, t'as quoi dans ta gourde? Ah, tu veux pas savoir. J'ai juste des envies très spéciales. Moi, j'ai récupéré un petit vin là dans une cave française. Ça tient chaud au corps. Hein. Tu peux te l'échanger, j'ai une photo de ma femme si tu veux. On en reparlera à la fin, quand on sera revenu de. Ok. Oui. Escouade Easy, Escouade Fox, si jamais ça part en cacahuète, on se replie sur cette zone là. Donc repérez bien la route, n'oubliez pas. Seuls les chefs d'escouade en cas de repli majeur. En cas de repli, on se replie ici. Apprenez la route. Ok, c'est reçu. Bien reçu, chef. C'est les tranchées qui sont devant. Bien reçu. Recoller. Le ping est non autorisé. Il y a un point de la pourriture ces chars. Ah, ils sont bons que quand ils sont cassés. Gardez des distances de sécurité, on garde 5 mètres entre les mecs maintenant. Les gars, c'est du point de repli. C'est la première position de repli, ça. Mais nous, c'est plus loin qu'on est mort. Je te souhaite bonne chance. Ouais, pareil, camarade. Oui, je pense. Non, oui, c'est ça. J'ai froid. Avez-vous un plaid? En observation de chaque côté. Qu'on observe les gars, faut qu'on observe la plaine là. De patates pour le moment, vous restez en position ici. Je vais essayer d'aller voir le commandement. Ok. Pardon. On a mis squad, les squad Fox, on va se mettre en position sur le ça, sur la gauche, monsieur. Squad Fox, où est-ce que t'es? Je voulais qu'on se place où? Ok, Pissman, ouais, tu peux te placer ici. Avec ma squad, on tient la gauche. Ouais. Tu t'en gauche tout le long de la baie là. Ok, le squad la... Fox, squad Easy, on y va. Dog, on tient squad gauche. Fox. Allez, messieurs, on se répartit. Le médecin est en deuxième ligne, fais attention à toi, s'il te plaît. Les autres, on est en position, on couvre le long. Venez, on va. La mitrailleuse, tu te mets ici. Squad Dog avec moi. Warrior, tu viens avec moi. Baissez la tête, hein, on sait jamais les gars. Bon courage les gars. Tu tires s'il y a quelque chose à vue. Hein. La mitrailleuse. Yes, attention, là on voit ta tête. Tu es passé.
Chef, les règles d'engagement? On tire à vue? Pour le moment, on tire que quand on en a reçu l'ordre. Faites attention à vous, messieurs. Soldats, faites attention. Okay, donc, vous du coup, tire sur ordre. C'est quoi la lobe? Vu la distance d'engagement, seuls les MG engagent en premier pour qu'il y ait un tir de couverture. Ah oui. Ok, reçu. T'as entendu le bébé? Ouais, j'ai entendu. Qu'est-ce que ça dit? Moi, je suis bien caché, je suis bof. Regarde, tu te postes ici, et moi je me poste juste un petit peu sur la gauche. Oh là, il y a eu du mouvement en 150. Mouvement, vous avez du mouvement. Mouvement en 150. En 150. Un éclair, il était tout seul. Ok, reçu, fort éclair, je vais prévenir le commandant. Restez en position, vous attendez les ordres. Ok, donc. Notre place actuelle, notre mission, surveiller le secteur midi. Vu la forêt, c'est le point particulier. Faut y tenir ouverture du feu pour les MG. Et il est où le chef? C'est l'idée de vouloir reprendre du terrain comme ça, quoi. C'est ce qu'on dit, hein, c'est la guerre froide. Chef, moi je viens d'arriver sur le front, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi on se retrouve ici à défendre cette position? Bah écoutez, la semaine passée on a réussi à bien avancer, à prendre une première position adverse avec énormément de pertes. Suite à ça en fait il y a une tempête de neige je pense que vous en avez entendu parler. On a eu 2-3 jours de tempête de neige avec une grosse grippe au niveau de nos hommes. Oui j'ai entendu. Donc, ça ouais. On a perdu un peu de terrain. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là, on m'a appelé en renfort pour venir aider les troupes. Affirmatif. Ouais. On a perdu énormément de terrain et là dernièrement, depuis 2 jours, on essaie de reprendre du terrain petit à petit. On essaie de faire des petites contre-attaques. On avance, on capture un peu de terrain, on bat en retraite. C'est constamment comme ça depuis plusieurs jours. Malheureusement, on commence à manquer d'hommes et de munitions. Donc à chaque fois qu'on a des hommes qui tombent, on essaie de battre en retraite pour reprendre ensuite derrière du terrain. D'accord. C'est constamment comme ça, malheureusement. D'ailleurs, monsieur Tipex, d'où venez-vous? Puisque vous n'étiez pas là avant. Question, où j'ai fait mes classes ou d'où je viens Eh ben partons sur ces deux questions. Alors je suis né à Dortmund. Déjà c'est pas mal. Ah. Donc, vous êtes d'où vous? Moi je suis de Berlin. Unique pour ma part. Ouais. De toute façon je pense que là on est tous dans la même galère. Ah bah ça, je le fais pas dire. Allez messieurs, on se remet en position s'il vous plaît. On peut discuter mais on reste concentré sur l'objectif. Reçu chef, désolé. Achtung. Amis. Schnell. Hop. Dites-moi combien on a des soucis à faire. Sud-sud-ouest. Sud-sud-ouest, reçu. Affirmatif. Pour l'instant, restez ici, vérifiez bien les armes, je vais faire revenir le dernier groupe là-bas, là, sur la gauche. Ok, c'est fort et clair. Messieurs, contact adverse en sud-sud-ouest, pour le moment on tient position, toujours 2 personnes en spotter s'il vous plaît, et on reste sur ses gardes. L'escouade de notre flanc gauche va bientôt venir en soutien de notre flanc droit, donc on sera les seuls sur la ligne. Je répète, on sera les seuls sur la ligne. Bisman. Bien reçu. Négatif, voilà. Je suis en train de chercher, j'ai aucun contact. Bouge pas de ta position. Là, on voit rien avec cette tourette de poids là. On voit rien, viens avec moi. Commandant, je dois venir derrière vous ou pas? Venez, squad dog. Adieu mes frères, adieu mes frères. Attends ici, je reviens. Chacun, je me déplace légèrement sur la droite avec Warrior. Je laisse ma MG en sur position et peut prendre tes ordres si besoin. Escouade Fox, on va devoir se rabattre et prendre la position de l'escouade de McFly, le sergent McFly qui va partir en reconnaissance. Donc on se rabat et on prend leur position s'il vous plaît. Merci. SL Fox. Affirmatif, on prend votre place. Ricochet pas loin. J'ai entendu l'échange avec le commandement.
Ok, d'accord, super, merci. Eh messieurs, on se déporte et on prend position sur l'ensemble de la ligne. Ils partent en reconnaissance là, c'est chaud. Ah d'accord, ok. Parce que là ils sont vraiment juste en face là. Ils sont de l'autre côté de la route là, vers les silos j'ai l'impression. Ils sont en azimut, derrière le bâtiment là, un peu plus loin. Faites attention messieurs à pas vous mettre trop. Apparemment ils ont un visuel et un contact directement sur nous. Si vous mettez trop les têtes, vous risquez de vous faire avoir. Ils ont une MG et un support apparemment 240. Attends, attends. Position allez, 240. Allez. Merci. Merci soldat. Serait-il pas intéressant de entendu, de Warrior si, là, il y a une première escouade bon à nous qui est allée sur notre flanc gauche. Donc là, ils sont avancés sur notre flanc gauche. Ils vont essayer de se repositionner près de la maison et un peu plus loin le long des... le long de la forêt. Si jamais on peut, on va essayer d'élargir un peu. Si on mettait un peu de smoke là et qu'on avançait sur ennemi 201 ennemi 201 les amis, ennemi 201, ouvrez l'œil. Ennemi 201, ennemi contact 201, ennemi contact 201, ennemi contact 201, Warrior. À la maison, à la maison, ennemi à la maison. C'est reçu chacun. 201 Warrior, faire le tour. Ah, ils sont avec nous, ceux qui sont dans la maison, je crois. Hein. Attention, on risque, il risque d'y avoir des alliés à nous. Faites attention. Ouais, je confirme, j'en ai un 200 là, j'arrive pas à voir si c'est un. Attendez, attendez, un allié ou pas. Descends, descends là, on... tu vas t'en prendre une. Là, tu regardes, vous regardez 200, sergent. Oui, 200 c'est allié apparemment. Ok, bien sûr. La maison c'est allié. La maison c'est allié, ils sont de deux en plus. D'accord, donc point de situation. Apparemment, dans la forêt, c'est désert, complètement désert. Point particulier, c'est que dans la forêt, il y a un espèce de talus comme, comme ici, où on peut se planquer derrière, ouais, comme ça, où on peut se planquer derrière et avoir de meilleurs visus sur l'ennemi qui est apparemment sur en plein ouest. Donc je propose de faire un bond en avant de 100 mètres. Ok, vous allez tenter de faire un mouvement là par la gauche là, essayer de reprendre okay la forêt, et gentiment par la forêt. S'il faut. Bien reçu. Est-ce qu'on va avec vous, avec eux, sergent, commandant? Ouais, allez-y. Si jamais ça chie, vous faites le même point de repli et par rapport au point de radio là, vous piquerez vraiment si ça chie, vous piquerez vers la ligne d'arbres qu'on voit au loin là-bas. Hein, si vraiment ça. Ok, c'est reçu. Ok, très bien reçu. Ok. Bonne chance. Non. Ok messieurs, ouais, regroupement sur moi, on va essayer d'élargir la ligne de front comme la possibilité dont on a parlé tout à l'heure. Donc l'escouade de McFly va venir directement avec nous. On se repositionne avec eux derrière la maison, on fait une avance en couverture, on essaie de couvrir les uns les autres, d'accord. On n'avance pas à découvert, pour le moment on rejoint la maison et on rejoint l'escouade du sergent McFly. Allez go messieurs. J'ai des blessés en face, hein, j'ai des blessés en face. Chef, il y a des hommes blessés en face. Baisse ta tête. Est-ce que vous avez un médecin, les squads? Ouais. Oui, on a un médecin en déplacement. Ouais. Ok, contact en azimut 243. Ok, messieurs, on prend position 350 tours là. Essaye, y a des hommes en 250. Messieurs, on a un contact en 250. Le contact en 250, pour le moment, ils savent pas qu'on les prend à revers. D'accord. Donc on va continuer à avancer. On tire tout de suite. Et l'escouade Sergent McFly va nous couvrir. On va essayer d'y aller les uns après les autres. Une fois que vous êtes en face, messieurs, on couvre le reste de ses collègues. Le monsieur, vas-y en premier. Et ensuite, ça prend la relève les uns après les autres. Le médecin en dernier, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Bien sûr. SL, on avait plus idée de se mettre en face en azimut 181. Parce que là, ils sont pas. Viens, reviens en forêt. C'est dans la forêt qu'il faut l'arrière.
essaye, essaye. En 260, ils sont au moins 10. Au moins 10. Ok, messieurs, MG, tu peux mettre en position et tu fais feu. On ouvre le feu, le camp est prêt, messieurs. On attend que la MG, elle tire en premier. En 260, on a un coup. Ok, MG. Je vois rien, je vois rien. Allez mec. Vous les voyez vous? En 290. Affirmatif, affirmatif. Sergent, au niveau du fumigène, il y avait du contact. Fumigène en 290. Peut-être prendre appui là sur le camion là, je sais pas si le non, chef sera d'accord. Il y a un camion là, en... à l'ouest là, ouais. Oui, sergent. Il y a un camion. On a plus de médecin, on a plus de médecin, faites attention. Ah, merde. Okay, il y a un camion un peu plus loin sur la route là. Ouais, mais c'est un peu trop dans les lignes adverses pour le moment, on n'a pas reçu d'indication du commandement. D'accord. Sachant qu'on n'a pas de on a pas de MG, du coup tu restes là, tu le médecin est mort. Prends la médecin qui a pris une balle en pleine tête pardon, l'inverse. Et tu restes là, tu fais feu dès que tu vois quelqu'un. Nous on n'est pas loin. On a plus de médecin, bordel. Attention, contact, contact en 293, la MG, t'as entendu? 293. Pour toi, la MG, c'est en 280, il y avait un pax. Bien ta ligne de couverture type si quelqu'un a besoin de se ravitailler, il y a une caisse près de la mitrailleuse au fond, seulement vous les cramez pas exprès pour vous ravitailler quoi. Ok, reçu, merci bien. Garde toujours ce visuel type X de l'autre côté de la rue et de l'autre côté. Ça fait super peur là monsieur. Très bien. Essaye de te couper. Messieurs de la poste, on a reçu l'ordre de se replier. On va se replier, on va rallonger le long de la route sur le côté. On va devoir se replier, les mecs. On va rejoindre les premières escouades alliées. Apparemment, nos éclaireurs nous ont indiqué que l'ennemi était en train de nous flanquer et d'essayer de capturer la ville en nord-nord-ouest. Donc, on va essayer de se repositionner sur la ville légèrement plus haut. De façon à défendre la ville. Donc on passe derrière les troupes alliées, on passe par la forêt et on se replie pour le moment. Apparemment on a fait quelques morts adverses mais ils essayent de capturer la ville donc on retourne en défense. Ok c'est Jean McFly, je décroche un dernier, tu me dis quand c'est bon. Ok les squad Fox, on y va, go. On se replie par la forêt. Et c'est parti, déploie-toi et on les suit.
continue tout droit là et on se met à couvert derrière le terre-plein de neige et on longe la route. On les laisse passer un peu. Ok les gars, on est en avant. On longe le long de la route et on bat les gars. Et on essaie un dernier assaut. Pensez à l'espacement les gars, pensez à l'espacement. Allez messieurs, je ferme la marche. Art, c'est dommage qu'on n'a pas des motorades. Ils arrivent quand les véhicules de transport de troupes? On a dit qu'on allait être livré d'Opel, là j'ai entendu parler de ça. Ils ont gelé malheureusement messieurs, je vous rappelle que... le problème c'est que ça a été bombardé et du coup les Opel Blitz on les aura jamais. Ah merde. Ah ouais j'ai entendu de la résistance que ça votait les... Qu'est-ce qui se passe? Non, nous on reste... Baissez la tête, baissez la tête! Croupi, un croupi! Oh, 250. 250. 250. MG, viens prendre la position ici. Feu! Squad easy, en avant. Là, MG, tu te places ici. Oh, ils ont pété nos half-track là. Eh ben, dépêche-toi. Oh, ça fait du bien un peu de chaleur. Reste-toi dans le recoin là. J'espère qu'ils sont pas en train de nous contourner. Où le sergent là? Oui, ça. Vous vérifiez régulièrement nos arrières au cas où. Bien reçu, sergent. Vous pouvez tourner, vous vérifiez devant, derrière, devant, derrière. Reçu. Avec moi, Squad Dog, avec moi. J'ai bien envie de mettre sur ta lutte. Squad Fox, vous tenez la zone. Vous éloignez pas trop, il faut qu'on tienne la zone avec les tranchées. Et Squad SL Fox. Attends, bah t'es là. Je propose que la squad Echo reste en position dans les tranchées. En attendant, vous pouvez faire mouvement sur la baraque. Tout le groupe A a pris cher. La 716 s'est fait flanquer par la gauche méchamment sur la route. Ils ont perdu énormément de mecs. Action sur le sud, regardez bien le sud et ouest. La route apparemment ça approche. Ouais, j'ai entendu ça, sergent. On sait quoi que était lancé là. Les gars, il y aura du monde derrière le half-track là. Ah oui, d'accord, ça. Vas-y,
Chef, est-ce qu'on a... Chef, chef, sergent. Est-ce qu'on a du monde en 150 là au niveau de l'arbre? J'ai vu un casque. Affirmatif, affirmatif, c'est copain, c'est copain. Ok, c'est allié, ok, affirmatif. Pose la question, parce que moi sinon... Sinon je tire. On tient la zone pour le moment, on doit tenir la zone. J'ai cru apercevoir du mouvement au niveau de la route. Je suis pas sûr. Ok, reçu, j'arrive avec les jumelles, on va essayer de... Attendez, c'est les copains qui partent éclairer. Ouais, on a un groupe non, qui parle. Ce n'était pas ceux-là. Je vais aller voir ce qui se passe. Faites attention à vous, commandant. Ils ont tous quitté leur poste. SM McFly, est-ce que je changerai pas avec Warrior? Les mecs, désertez pas votre position quand on vous dit qu'il y a du contact ailleurs. Gardez vos postes. Allez, faites échanger, échanger vite les deux. Ok, bah qui vient en premier. Ok, au niveau de l'escouade Fox, vous gardez tous vos positions, vous bougez pas à part si vous avez des indications. Alors ça venait de là-bas, je crois. Fasse attention. Quels sont les ordres? Ouais, on va tenir nos positions. Tenir la position. Ça va être la fin. Il reste une minute, donc ça sera la fin. De toute façon, on va faire un récap et le prochain event, ben, ça va être du bataille dans le patelin, quoi. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'on a réussi à obtenir aujourd'hui? On a gagné le carrefour ou pas? Le carrefour, on l'a tenu, donc ça sera toujours maintenu. Oui, là, le carrefour, moi, hein. Du coup, comme ils ont contourné, ils nous ont mis la pression. De toute façon, j'ai fait une vidéo. On peut pas Voilà les marsouins, cette vidéo s'arrête ici et j'espère qu'elle vous a plu. Tiens personnellement à remercier la team 716 ID pour l'organisation de cette soirée. Si jamais vous aussi vous voulez participer à ce genre d'événement RP, je vous mets le lien de leur site internet dans les commentaires de cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, si elle est jeune.